put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough for you, boo. I'm a chaser. Face up, now I feel a little major. Blink of an eye, ego, I'm a taker. Shaker, yeah, she was a ball shaker. She shake me out that door to no place. Damn, why you doing all that? Ah, les jambes. Salut les guerriers, on se retrouve pour une petite vidéo. Voilà, on vous l'avait promis, retour des entraînements. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite séance d'eau ensemble. Gigio va venir pour me filmer, il va me suivre avec la caméra, etc. Ça va être dans la salle où je m'entraîne habituellement. Ça va être une séance d'eau que je fais plus ou moins habituellement. En revanche, je vous déconseille de prendre littéralement ma séance d'eau et la copier, il n'y a aucun intérêt à ça. Étant donné que moi je vais essayer de focus ma largeur, je vais essayer de focus certains exos, je vais essayer de travailler mon retard biceps. Donc honnêtement, il n'y a aucune utilité à ce que vous copiez ma séance. Je vous invite plutôt à prendre un programme sur Fitness Fusion si jamais vous voulez une séance adaptée, mais ça vous le savez déjà. Donc avant d'aller s'entraîner, comme d'habitude, je prends un pré-workout, il y a un pré-workout 1000 et ensuite je prends un pré-workout poudre, un pré-workout donc de chez QNT, et c'est le moment de vous placer Iron 1000. Je sais pas si on l'aura déjà fait dans la vidéo précédente, mais voilà, on a commencé à travailler avec Iron 1000 et ça fait vraiment plaisir de ouf. Ça me simplifie la vie, vous imaginez même pas. Iron 1000, simplement, c'est une société qui vous fait des repas préfaits pour les gomuscu et c'est incroyable, les trucs sont hyper healthy, tout est détaillé. Donc ici par exemple, moi je vais avoir bœuf au miel avec riz jaune et brocoli, et je sais pas si vous allez voir d'ici, mais tout est détaillé. Vous avez les calories, les protéines, le fat, les fibres et les carbs. Ok, normalement je suis bien cadré. Bon, il y a juste ça qui va me faire chier. On va décoller pour la salle. J'ai Gigio qui m'attend directement là-bas. Donc là, je suis déjà en retard, non? Bon, ça va lui faire les jambes, hein. Ça va changer un petit peu pour une fois. Bon, on va s'envoyer du coup une scoop de pré-workout rouge. Donc je prends le Pumper X pour la congestion uniquement. Et c'est parti. L'avantage de ce spray-là, c'est qu'il pique absolument pas. Ça veut dire que je peux le garder en bouche. Je vais pas faire une tête comme ça en mode ça pique, zéro. Donc on se retrouve directement là-bas avec Gigio. Échauffement? Non. En plus, je travaille en pas très lourd là. 59 kilos, je me concentre vraiment sur ressentir les dorsaux, sinon je vais commencer à sentir les avant-bras, les biceps et les triceps. D'ailleurs, on va... Regarde, regarde, ça c'est bien. Vive ma vie et Pimousse, parce qu'on peut vérifier en temps réel. Vérifier quoi, regarde? Est-ce qu'il y a des seringues? Il y a un casque et il y a le trépied, okay, pour Fitness Fusion. Est-ce que tu ne donnerais pas les temps de repos, les... Non, je donne rien du tout, je l'ai dit en plus dans l'intro. C'est rien de copier nos séances. Parce que, en plus, peut-être que bientôt, on va sortir un truc et ils pourront avoir la même séance que nous, on ne sait pas. Hein. Tu fais des têtes à la FKN. Encore, je me suis calmé. Hein. Avant, je faisais des... Bon. Du coup, là, c'est pas les perfs de Pimousse, là. On cherche pas la charge. Sur le dos, j'ai jamais travaillé en très lourd. Mon dos, il s'est développé sans même que je cherche à le développer plus que ça. J'ai un point fort chaîne postérieure, c'est-à-dire tout ce qui est derrière, j'ai à peine besoin de le travailler que ça va se développer. Ischio, dos, triceps. Je sais pas si je vais réussir à gérer, mais au pire, je travaillerai en léger. Ça fait des semaines que j'ai pas travaillé en lourd, y compris au coucher. J'ai pas fait de coucher barre depuis 3 mois. Puis en soi, j'ai fini le jeu, donc je me fais pas chier à refaire du coucher barre. J'ai terminé le jeu. C'est moi qui ai mis au père vous coucher. Qu'est-ce que je vais me faire chier à continuer de travailler? C'est tout, c'est fini. Il y a Brutus, mais Brutus, ça compte pas, frère. Il fait 2m30, faut arrêter les bêtises. Déjà un. Dans les clubs, il y en a pas mal qui disent on est beau, on est très vulgaire. La FF, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est comme la France, c'est tout. Arrêtez de déconner, je suis comme je suis, je vais pas jouer un rôle pour leur faire plaisir. Oui, je suis vulgaire, mais moi j'aime bien. Il me dégoûte. Mais non, mais si tu t'es enculé, c'est mort avec toi, c'est fini. Il m'a dit, tu crois que je suis fou dans ma tête? J'ai dit non, t'es juste différent. Conseil que je vous donne, prenez des bouteilles d'un litre, 5 de litre. À chaque séance, il faut qu'elle soit vide. Placement de produit du coup. Voilà. Saint-Amand, envoyez de l'argent s'il vous plaît. J'en ai marre de manger des cailloux. C'est bien là, c'est un peu sombre et tout. Ça fait un peu une nouvelle génération. Je sais pas, moi je suis un old school, moi je suis pas une nouvelle génération. Allez. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ce bordel? C'est lourd? Un peu d'épaisseur. Bah la vie de ma mère, c'est super lourd. Je me suis levé à 8h30, 8h30 monster.
Je suis vraiment un fils de pute, c'est trop grave. Ça, c'est le petit voyage à Cologne, ça a entretenu la dépendance. Ça m'a enculé le voyage à Cologne. Ouais, on a bu 5 monstres en l'espace de 2 jours, faut arrêter. Là, normalement, là, on a les photos bientôt. Quand la vidéo sortira, elles seront déjà faites. Je conserve une shape convenable parce qu'on est censé voir Body Time. Une fois qu'on les a vues, je l'ai dit, je passe à 3 séances semaine. Ce sera 2 haut du corps et 1 bas du corps. Et je vais focus basket, endurance, pliométrie. Tu crois que tu vas perdre un peu de ça, va se voir. Je vais perdre des bras, je vais perdre un peu de pec et d'épaule. Là, tu pensais être à combien de kilos? Là, je dois tourner. Avant le cheat, j'étais à peu près 82-83, je dirais. Bah, c'est simple, tu vois, la shape on air, j'étais à 83. Et là, je suis dans ces eaux-là, en fait. Moi, je le sais au visuel à combien de kilos je suis. Je ne me pèse jamais. Je déteste me peser. Et c'est un truc que je fais pas. Mais je déteste ça. En tant qu'ancien gros, la balance, je ne peux pas me la voir. Ouais. Pimous, comment tu fais pour avoir des gros avant-bras? Est-ce que vous m'avez vu travailler avec des bandes pendant mon entraînement? Non. Ah, c'est aussi simple que ça. Je l'ai fait pendant un moment et j'ai arrêté. Vous voulez des avant-bras, séance dos en lourd, à la poigne. Des fois, j'enlève même mon pouce, au lieu de tenir comme ça, je tiens avec le pouce au-dessus sur le côté. Curl marteau, exercice biceps en général, et ça va grossir. Allez, dernière série. Et après, je vais sur Valorant. Là, on va passer sur du un peu plus raccourci, j'ai beaucoup parlé jusque-là. Là, on va faire de la barre aux cuisses, mais à la corde pour avoir une meilleure amplitude. Par contre, le problème, c'est que moi, j'ai tendance à ressentir mes triceps facilement, donc je vais les ressentir, je le sais. Mais je ferai avec, c'est pas grave. C'est bien que tu parles un peu muscu, là, parce qu'ils vont dire « Putain, on voulait des trainings, ça parle plus de pimousse. » Ah, si vous voulez un programme, il faut l'acheter. Hein. Moi, je fais pas du bénévolat. Hein. Je vais pas vous donner tout ce que je fais. Hein. Ça va pas ou quoi? Pour moi, si tu donnes ton travail, tu donnes tes programmes, c'est que tu sais que c'est de la merde. C'est aussi simple que ça. Tu donnes pas ton programme, tu donnes pas ton travail. Quand tu sais que c'est du bon travail, tu le vends. On a quoi comme diplôme sur effet? Un STAPS. Voilà. Mais voilà, ça sera pas l'équivalent d'un mec à un doctorat. Oui, il va vendre des programmes à 400 balles. C'est normal. Le frérot, il a 10 ans d'études après. C'est peut-être quand même 8 ans de pratique en musculation. Alors, l'expérience pour faire un programme de musculation à monsieur n'importe qui, oui, ça vaut largement le coup. Ça vaut les diplômes, mais la différence, c'est que quand vous êtes à l'école, on va vous apprendre plein de trucs. Niveau santé, niveau... Enfin, il y a plein de trucs, plein de biomécanique qui sera apprise. Vous allez plus facilement coacher des mecs qui ont des scolioses, qui ont des maladies, des trucs comme ça. Il y a des trucs qu'avec l'expérience, vous n'allez pas avoir avec les diplômes. C'est ça le problème. Soit vous vous complétez par vous-même, via des petites formations sur internet où vous vous renseignez, soit Inch'Allah. Hein. Okay. Nous, on a tout. Plus le diplôme, on est carré. Le diplôme, l'expérience et on s'est formé nous-mêmes de notre côté. Faut savoir que moi, ou Jijo, depuis qu'on fait de la musculation, on s'est toujours formé nous-mêmes. Plutôt que prendre des programmes qui sont un tel, on s'est formé nous-mêmes, on a appris nous-mêmes, on a lu, etc. On s'est toujours fait nos programmes par nous-mêmes, adaptés à nous. Donc, à l'expérience, on l'a simplement. T'es un bon vendeur. Mais c'est la vérité. Pour ceux qui ont les moyens, qui veulent aller vite et ne pas perdre de temps, honnêtement, achetez un programme. Ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et si, en plus de ça, vous prenez par exemple avec suivi, vous allez poser des questions, vous allez avoir des réponses, vous allez pouvoir apprendre par vous-même et vous former sans même vous en rendre compte avec le temps. BPM sur une séance musculation et les comptes sont pas bons, Kevin. Ça va pas du tout. Ça va venir la muscu. Ça te faire le basketteur. Hein. Je suis pas un mec d'un muscu, moi. Il faudrait lever les manches. Hein. On en a marre de voir des t-shirts. Non. C'est quand la shape là? C'est quand qu'on voit la shape? À 10 000 likes. 3 000 likes sur cette vidéo. Non, 4 000 likes sur cette vidéo. On fait un 20 000 calories challenge. Je déteste serrer les bras. Qu'est-ce que je m'emmerde? Non, 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 il n'y a rien à voir, monsieur. J'ai Terminado Joseph. Encore un exobiceps et c'est finito pipo. Un peu d'isolation. Yeah. S'il y a des gens qui ont du mal à sentir leur biceps, je te jure que c'est un des meilleurs exercices. Parce que tu as une tension continue, même arrivé en bas, tu continues d'avoir une tension. Quand je me mets comme ça, ouais, mon bras part en arrière, je vais avoir tendance à utiliser le levier pour faire ça. Ah ouais, l'épaule. Okay. Ouais. Alors que là, si je suis comme ça, j'ai aucune raison d'avancer vu que tout se passe vers le haut. Et je peux pas tirer comme ça vers le haut. Okay, okay. Donc ça permet ça pas dépend de la portion que tu cibles, hein, mais c'est là, ça marche très bien. C'est les réseaux. Ça me casse les couilles. Faut arrêter de normaliser le fait d'être en dessous de 8% de body fat. À
part les gens qui ont un métabolisme rapide et qui mangent de l'air et des glaçons, c'est pas normal d'être en dessous de 8% à l'année. Une personne en bonne santé, elle, entre 12 et 20% à l'année. Ouais, c'est comme Jeff Sall quand il a montré son nouveau physique actuel. C'est comme ça normalement. Les gens l'ont critiqué. Normalement, c'est comme ça. Il est musclé. Une personne normale, elle est comme ça. C'est juste le cerveau des gens, il est abîmé. Les gens, ils pensent tous qu'avoir plein de veines sur le corps toute l'année, c'est normal. Avoir des abdos à l'année, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est cheaté. Bon, t'as beaucoup parlé pendant la séance. J'espère que maintenant on va voir des choses. J'ai fait une séance esquintée. C'est de trouver l'envoyé. Tu verras toi-même. Bon, en tout cas, c'est le dos qu'il faut voir. C'est ça que je me demande. Parfait. Un démon dans le dos. Donc voilà, c'est une fin de séance. Bon, c'est une séance assez tranquille. Je me suis donné vite fait. Mais après, c'est la sèche. Hein. Souvent, c'est en masse que je vais me donner le plus. En sèche, je me maintiens. Je cherche pas à progresser, juste à maintenir mes charges. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous voulez, en commentaire, dites-moi la prochaine séance que vous voulez que je fasse. Moi, j'étais parti pour une petite séance jambes ou pec. Plus jambes, parce qu'on n'a jamais montré les jambes sur FF. On aime bien mettre des jeans et des survêtements. Mais si jamais ça vous intéresse, vous le dites. Pensez à lâcher votre like, pensez à vous abonner. Et pour la prochaine vidéo entraînement, ça sera Gijo la semaine prochaine qui fera une séance chibre normalement. Si jamais vous voulez un programme, fitnessfusion.fr. Donc voilà, c'était Fitness Fusion, force et fun. Simplement, hein. Non, fun.